tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog décoration. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, ça fait très longtemps que je vous ai pas filmé de vidéo. Donc là le thème de la vidéo c'est la décoration Halloween, enfin la décoration automnale plutôt. Il y a quelques petits trucs d'Halloween vite fait mais vraiment voilà, je préfère plus l'automne que Halloween. On va donc décorer cet appartement, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à B&M et Primark je crois. Faudrait que j'y retourne d'ailleurs après parce qu'il y a des nouvelles pépites assez sympathiques. Donc peut-être que je vous montrerai sur Instagram des petits updates. Donc n'hésitez pas à me suivre, c'est ElisaBRTOff. Et aussi je vais vous montrer mes anciennes décorations d'automne. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu mon appartement, comment il est là. Donc deux fenêtres ici que j'aimerais bien décorer comme d'habitude. Là essayer de mettre des petites citrouilles ou autres. Là j'ai mis un petit bouquet, il est trop beau. Donc voilà, le salon. Et là on a une petite couleur d'un marbre, j'adore. Et je vais mettre des petits gugus, là, des petits fantômes ici. Donc écoutez, voilà, déjà pour ça, je pense que je vais juste décorer ici la pièce principale et le reste, je vais pas le décorer. Mais en tout cas, voilà déjà pour l'appartement. On se retrouve au spot unboxing, vous n'avez même pas droit, excusez-moi. Du coup, je suis allée à B&M avec ma soeur il y a un mois et j'ai pu acheter des petites choses comme ça, très sympathiques. C'était pas si cher que ça, je pense que j'ai encore le ticket, mais c'était je crois 10 € avec les deux petites citrouilles, comme ça ça s'allume, c'est genre trop beau. C'est des petites citrouilles trop mignonnes, donc j'ai pris ça, j'ai craqué, je trouve ça trop beau, parce que j'ai pas vraiment de décoration d'automne, j'ai que ça entre guillemets. Genre si on compare avec Noël, Noël j'ai 4 gros bacs de rangement, plus 3 autres bacs, enfin moi j'ai beaucoup de trucs de Noël, mais j'ai très peu pour l'automne, parce qu'il y a pas grand chose que j'aime à chaque fois. Trouver des petites pépites comme ceci, ça c'était 12 € je crois, et normalement ça s'allume. Vous voyez pas trop vu qu'il fait jour, mais ça s'allume bien. J'ai pris notamment ça, c'est une bougie, ça sent trop bon. Une petite... Ah! Ça a abîmé. C'est une bougie avec un petit chapeau de sorcière, alors qu'est spooky. Je trouvais ça assez sympathique. Donc c'est une petite bougie, au moins quand on va la faire fondre, bah ça peut être un petit pot, un petit bocal. Donc je trouvais ça super sympathique. Par contre c'est un peu galère de trouver des choses qui ne sont pas trop cassées. Là c'est un petit peu fêlé. Mais bon, voilà, c'était pas si cher que ça, je crois que c'était 5 €. Vraiment, au niveau des décorations de B&M, franchement, j'étais assez choquée parce que B&M, j'y vais jamais, c'est tout le temps le bordel et tout. Et là, franchement, c'est comme un Jiffy, si vous voulez. Donc c'était plutôt sympathique. Et vraiment beaucoup de décorations à petit prix. Donc si vous avez un B&M à côté de chez vous, n'hésitez pas. Je crois que je vous ai fait un TikTok là-dessus sur la décoration B&M. N'hésitez pas à aller checker, je vous ai fait aussi sur Primark et Action. Ensuite, j'ai acheté des petits gugus. Je trouvais vraiment sympathique, notamment celui-là. C'était genre 2 € le petit gugus avec sa petite citrouille. Je trouvais ça trop mignon en petite décoration. Ensuite, un squelette. Je trouve ça trop drôle. Un squelette comme ceci. Il y avait plusieurs formats de squelette, mais j'ai préféré prendre celui-ci qui était assez sympathique. J'ai pris ça, je crois que je l'ai vu à Primark. C'était un peu plus cher à Primark, je crois. Donc celui-ci, un petit vampire chauve-souris comme ça, avec les petites jambes. Je trouve ça trop sympathique pour mettre au niveau de mes bocaux, vous savez, mon étagère. C'est trop mignon. Après, ça a du mal un peu à tenir sur ses fesses, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai pris aussi le vampire que je trouvais adorable. Encore une fois, c'est trop beau, trop mignon. Et enfin, j'ai pris un petit bol que je trouve adorable. C'est un bol fantôme. Donc il y avait plusieurs écritures à l'intérieur. Moi, j'ai pris Trick or Treat. C'est difficile à dire. Bref, voilà. Il y en avait d'autres, c'était Happy Halloween. Je sais pas quoi, mais je préférais celui-là, il était plus mignon. D'un petit bol pour mettre des petits bonbons, etc., les chocolats à l'intérieur. Donc voilà pour B&M. Franchement, c'était trop mignon. Et il faisait des grandes décorations aussi. Donc c'était plutôt sympathique. Ensuite, j'ai pris des petits trucs à Primark. Ça, c'était il y a un mois aussi, je crois. Je vais vous dire, parce que ça fait longtemps en fait que je dois vous le filmer, mais j'ai pas eu le temps. Ok, c'était le 22 août, donc c'était il y a quasiment 2 mois, hein, voilà. Bon, chut, on dit rien. J'ai pris des couronnes comme ceci, je crois que c'était 14 €, voilà. C'était 14 €, c'est des grandes couronnes, je les trouve trop belles. Et en fait, j'en cherche des couronnes comme ça, j'en ai en Noël, et je sais que j'adore mettre ça sur mes fenêtres. Et après, si c'est mis avec son jouet, trop mignon. Donc j'ai pris ça avec des petites citrouilles, je trouvais ça hyper sympathique. Si vous voyez, il y a des petites pommes de pin et tout, enfin vraiment trop chou. J'en ai pris deux. En fait, j'en ai déjà des petites décorations comme ça, mais j'ai trouvé moins qualitatif que ça. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé des petites guirlandes comme ceci. J'ai trouvé ça. Bon, je sais pas, ça fait vraiment très automnal. C'était 4 €. C'était un dessous de plat fleurs, je trouve magnifique. Donc peut-être que je mets ça sur ma table. Au-dessus, je vais mettre un bouquet. Parce que vraiment, ça, j'adore. Je trouve ça trop beau. J'ai ensuite trouvé ça. J'espère que c'est pas abîmé.
Je pense qu'il y a une petite, petit truc qui s'est décollé. C'est un photophore comme ça, j'en avais un que j'avais acheté à Action. Malheureusement, il a brûlé avec la bougie. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu vraiment un brasier sur ce truc-là. Donc j'espère que là, je vais essayer de faire un peu plus attention. Donc c'est pour mettre un petit photophore à l'intérieur. Je trouve ça magnifique, je trouve ça trop mignon. Donc écoutez, je l'ai pris. Ça doit être 3 euros, un truc comme ça, je pense. Donc trop sympathique. Et enfin, ça je l'ai vu aussi à B&M, c'est le même prix. C'était 3 euros. C'est un bougeoir, vous savez, avec une chauve-souris. J'ai trouvé magnifique, trop sympathique. Donc je vais pouvoir le mettre aussi parce que j'adore, je trouve ça trop mignon. Je vais peut-être vous montrer vite fait les décorations automnales que j'ai. Donc il y a celle-là, je crois que je l'avais achetée à Truffaut. Il y avait mon photophore comme ceci que j'avais peint moi-même. Ensuite, il y a les petites guirlandes, vous savez, citrouilles. Il y avait ça aussi. C'est horrible. J'avais ensuite les fantômes et les squelettes. Bon, c'est un petit peu dans le désordre là comme ça, mais bon, c'est... Je crois que j'avais acheté ça à Action. Voilà, des petits champignons encore une fois. Des petites bougies comme ceci qui viennent de Primark. Donc, voilà, des petites... je sais pas si ça s'allume encore. Ah ouais, ça s'allume, putain, chaud. Des petites citrouilles. Une autre citrouille, voilà, qui s'allume normalement. Voilà, c'est trop beau. On dirait un dragon en fait. C'est un photophore, un immense photophore champignon. Je trouvais trop mignon, j'avais acheté à Action. Il est vraiment trop beau. J'avais aussi une bougie comme ceci. Et après, j'ai beaucoup, voilà, de petites guirlandes, comme je vous ai montré. Donc, vous voyez, c'est des petits morceaux que j'ai assemblés moi-même à chaque fois. Avec ces branches là. Ça de petites guirlandes à mettre, à installer. Bon, c'est parti pour la décoration. Et aussi, donc la semaine prochaine, sur Instagram, je vous montrerai la citrouille que j'ai faite avec ma soeur. Et vous devriez voter pour la plus belle. La dernière, c'est ma soeur qui a gagné. En même temps, elle a mis genre 2 heures à le faire. Quand même, il fallait qu'elle gagne parce qu'elle a mis vraiment beaucoup de temps. J'avais mis genre 10 minutes à faire un truc, moi. Donc la semaine prochaine, il y aura un post Instagram avec les deux citrouilles que vous devez choisir. Voilà, qui va gagner. L'année dernière, j'avais gagné. Hein, donc voilà, on est à égalité pour l'instant. Donc on va chercher une petite citrouille. Je la mettrai, je l'installerai dans l'appartement. Et je vous ferai des petits updates sur Instagram. Donc c'est parti, on va tout installer. J'ai trop trop hâte. Et je viens de vous faire un haul sur TikTok. Voilà, ça fait jamais fait de haul sur TikTok. Donc bah écoutez, on va tester ça. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok. Donc TikTok c'est Elisa Berthéoff et Instagram c'est pareil. Et là je vous viens de voir que mon chat est dans le sac. Parfait. Donc c'est un peu le bordel. On va commencer à installer les petites branches. Ah, et je me suis aussi changée. Je pense que ça a fait un peu plus automnal que ma petite chemise. Du coup j'ai pris ça vient de Primark, je l'ai acheté il y a pas longtemps, je l'ai trouvé trop sympa, je l'ai pris en taille XL parce que j'aime bien quand c'est un peu loose et tout, donc trop sympathique. Je crois que ça m'a coûté 14 euros celui-là. Du coup on va installer les branchages sur ça là-bas et les deux autres je vais essayer de mettre les branchages que j'aime. Après j'espère que ça va faire beau. Le problème quand j'accroche des choses sur les rideaux c'est qu'après on peut plus passer dans le balcon. Enfin sur le balcon, du coup c'est chiant, enfin c'est vraiment un bordel pour ouvrir la fenêtre après. Mais bon tant pis, c'est pas grave, hein. Vaut mieux que ce soit beau et pas pratique que pratique et pas beau. Donc j'ai pris, je sais pas si vous voyez, bon, j'ai pris un petit guirlande et j'ai pris ça aussi. Vous pouvez en retrouver à Action, vous savez c'est des petits trucs à découper pour les fils de fer quoi. Oh, mes plantes sont dans un état, c'est honteux. Ah mais ça fait tout le truc. Ah du coup l'autre je pourrais peut-être le découper et en faire deux. Eh, on a de l'idée nous hein. Je sais pas si ça sera possible mais on tente hein. Oula. Par contre comment je vais faire moi? Ça vraiment trop beau. J'ai juste rajouté 2 petites branches là. Bon, ça va pas trop ensemble de ce que je vois, mais bon, ça passe quand même. Vraiment, la qualité est top. C'est assez joli, ça décore. Après, pour aller sur le balcon, c'est un peu galère, je pense. Mais bon, c'est pas grave. On va s'attaquer du coup à ces 2 fenêtres. Je sais pas si je peux découper ou pas le truc parce que c'est quand même assez large. Je suis en train de tenter de couper. J'ai des petites pinces pour l'électricité. Enfin, je crois que c'est pour ça, je suis pas sûre. Et là j'ai déjà fait la moitié. C'est un carnage le truc. C'est horrible. On est une bad bitch non hein. Voilà. Eh hey. T'as vu ça? On n'est pas une bad bitch non? Sympathique.
Bon, c'est en contre-jour, mais c'est vraiment trop joli. Genre, j'aime trop un peu ça avec les petites lumières au-dessus et tout. C'est trop cosy, trop mignon. Donc, je suis trop contente. Donc, déjà, ça, c'est une bonne chose de fait, du coup. Mais vraiment, trop joli, quoi. Du coup, j'ai allumé ma petite citrouille. Bon, on voit pas vraiment avec la lumière du jour. Mais là, j'ai changé, j'ai mis des piles. Et c'est trop beau. Genre, c'est trop beau. Voilà, j'aime trop. Donc ça, on va le mettre au niveau de mon miroir, je pense que ça sera plus joli. Là, vous allez un peu mieux vous voir, même si vous êtes penché du coup. On verra un peu moins, je pense, le fantôme. J'aime trop ça. Genre là, ça peut être plutôt sympa. En plus, avec de la verdure et tout, ça peut être mieux, non? Je vais changer le vase. Avant, j'avais ça comme vase, mais je ne savais pas trop au tonal. Donc je vais prendre un vase très simple. D'ailleurs, je n'ai jamais retiré l'étiquette. Ça fait au moins 7 ans que je l'ai. Après c'est chiant, ça fait du caca. Et on va mettre du coup les fleurs dedans et le set de table. J'espère que ça va faire joli, mais je pense que oui. Oh oui, c'est trop beau. Oh my god, Elisa. En vrai c'est super sympathique. Genre pour un dessous de vase, c'est vraiment sympa. Après bon bah, si je peux avoir des fleurs de tournesol, ça serait mieux, mais il n'y en avait pas dans le commerce. Bon, on va installer les petits gugus. Ici, bon, c'est vraiment le bordel, là. Franchement, regardez pas en haut. D'ailleurs, on va essayer de lever la caméra. Ah bah non, on peut plus. On va cacher la misère. Voilà, c'est parfait. Pensez à ceux-là, genre, ici. Je trouve trop beau. Non, le gnome, je le mets là. J'aime bien le gnome, il est drôle. Et là, je regardais, du coup, pour les bougies, pour le petit photophore. Et j'avais trouvé... celle-là, ça sent super bon, c'est le Lake Sunset. Bon, de base, normalement, ça doit être un... Je sais pas si les photos fortes, ça rentre. Mais je regardais aussi pour les autres bougies. Et j'ai remplacé ma bougie qui était là, par une bougie noire. Je trouve ça trop beau. Et j'ai pris une bougie blanche pour celle-là. Pour la bougie blanche, j'ai envie de faire une des petits yeux de fantôme. Genre un petit truc, parce que j'avais vu ça sur TikTok. Et aussi, il y a des gens qui le bougeaient. Donc je sais pas si on va le faire. Mais j'aimerais bien. J'avais zappé là, les petites bougies comme ça là. Putain, heureusement que je regarde. Je sais pas si j'en ai d'autres, je pense pas. Donc là j'ai fait ça. J'hésite à mettre les petites guirlandes, vous savez, comme ceci. Genre, je sais pas si ça va faire joli en vrai. Et là je suis en train de faire là-bas. J'ai enlevé une petite plante, du coup j'ai laissé celle-là parce qu'elle s'y plaît énormément. Je suis pas très fan, mais je me dis avec les petites branchages ça peut le faire. Je trouve ça trop sympathique, même si ça va pas trop avec la grande guirlande. Je trouve que bah, ça fait tout, genre les petites décorations comme ça. Ça fait un peu chargé peut-être, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que j'inverse peut-être ça? Mais il y a plein de petits moucherons, j'en peux plus. Là, je suis envahie de moucherons parce qu'en fait, j'ai arrosé une plante un petit peu trop. Et du coup, bah, je sais pas si ça fait plus joli. Et du coup, bah, j'ai plein de moucherons, j'en peux plus. Donc, j'ai retiré toute la petite décoration. J'ai sorti les bougies qui sont un peu style automnal. Voilà. Après, ça fait un peu plus hiver, celle-là, Forest Pine. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai mis celle-là. Je trouve ça trop beau. Prince demande sa pâtée alors qu'il n'est que 16h25. Ah, ça commence à se... Ah, trop bien, attendez, on va faire ça. Ah oui, à ce point! T'as pas dit bonjour à la caméra. Tu dis bonjour, mon amour. Tu dis que tu vas dans le sac, là, depuis tout à l'heure, et que tu fais du bruit. Alors, on va tenter cette bougie. Ouais! Sans bah, trop le casser. Oh non, c'est trop sympa! Non, c'est trop chou. Bon, ça marque pas de ouf. Peut-être de la peinture, ça aurait été mieux. Bon, ça fait bizarre avec le stylo. Peut-être que je ferai une petite retouche à la peinture, mais c'est archi sympathique. On va installer ça de suite. Ah non, c'est vraiment sympa. Oula. Ah oui, par contre, tu pars en couille un peu là. Ah, pas mal. Vous voyez rien, mais c'est pas mal. Il commence à faire nuit. J'ai pas vu le temps passer. Il est 16h40. Au bout d'un moment, le soleil était où? Du coup, j'avais ma petite assiette qui vient de chez Shein. Celle-là, là. Oui, je sais, mon cœur. Et du coup, j'ai mis ma petite part de gâteau qui me reste là-dedans. Et je ferai des petits biscuits pour Halloween. Est-ce qu'on peut arrêter de me couper la parole? C'est gonflant. Alors, je suis désolée pour la luminosité, hein, c'est une catastrophe. Il fait nuit, genre, il y a la tempête dehors. Donc j'ai mis mon petit bol Trick or Treat. Juste là, je mettrai des petits chocolats, des petits bonbons, etc. Je pense que je passerai demain chez Chef de Bruges. Parce que ça fait longtemps que je suis pas allée chez Jeff de Bruges, je vais me prendre des petits chocolats, ça va faire au moins un... Oh,
même plus que ça. C'était avec mon ex, donc il y a 2 ans, je suis pas allée chez Chef de Proche. J'ai mis, je sais pas si vous allez voir. Oui mon cœur, j'ai mis mon squelette juste là, parce que je trouve ça sympathique. Et du coup là je suis en train de ranger et de nettoyer un petit peu tout ça. Je pense qu'au niveau du meuble ça sera bon. Mais ça fait tellement du bien de voir son appartement décoré et aussi rangé. ça fait du bien, je vais lancer Josette là d'ailleurs pour qu'elle nettoie un petit peu le sol. Mais viens me voir. Il n'est pas 17h, encore moins 18h mon cœur. Il faut que t'arrêtes de quémander de la pâtée. Je sais qu'il fait nuit, on dirait qu'il est 19h. Je sais que tu te fies au soleil pour la pâtée. Mais là non, d'accord? Ça suffit. Je t'aime mon chat. Tu auras de la pâtée quand il sera l'heure. Ne te fie pas au soleil. Le soleil est trompeur en ce moment. On ne sait pas s'il est 20h, 23h ou 16h40. Mon amour. Donc c'est parti pour le avant-après. Cette vidéo, je vous ai fait un petit TikTok. N'hésitez pas à me suivre sur mon TikTok, je vous ai fait un avant-après aussi en format TikTok du coup réel, et aussi sur Instagram du coup, et n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, je suis trop contente. Pour des petits budgets, vraiment, vous pouvez faire une très belle décoration. Donc je suis trop contente de cette décoration-là, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram et TikTok, c'est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.